この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à, vous l'aurez compris, c'est écrit en gros, en large, en travers, Richard Burns Rally sur PlayStation 2. En ce moment, on enchaîne pas mal hein, les jeux PlayStation 2, je pense que vous aurez compris. Ma foi, console qui vaut le détour, vous le savez très bien. Et donc, on est avec en compagnie d'un autre pilote de rally, hein, puisqu'on a souvent fait les Colin McRae Rally, on a même mis un Tommy McKinnon Rally. On a même eu, je crois, notre pilote, Rich, avec Sébastien Loeb aussi. Sébastien nous a offert Richard Burns Rally, qui malheureusement pour nous est un pilote qui est décédé. Hein. Voilà, mais en tout cas il aura laissé une bonne trace dans le rallye, et en tout cas une très belle trace vidéoludique avec ce jeu. Alors qu'il y a un joli bug dans le mode démo, c'est magnifique. J'en ai mis, ça n'a pas planté d'ailleurs, c'est bizarre. Non, c'est bon. Attendez. Alors attendez, il y a un petit souci. Voilà, donc de retour. Et donc je disais Richard Burns qui nous aura laissé un très très bon jeu. Donc c'est un jeu qui est sorti aussi sur notre console, hein, notamment même sur PC. Et qui est considéré, vous allez le voir, pas du tout à tort, comme étant peut-être une des meilleures simulations de rallye, même sur console, chier à dire, mais c'est vraiment réaliste. Alors c'est parti. On a une école de rallye, un rallye rapide, une saison de rallye multijoueur. On a un défi Richard Burns qu'on pourra tester d'ailleurs après, un profil de pilote qu'on peut créer, donc là j'ai déjà créé le mien. Et on peut voir évidemment le mode option, donc on a les options pour l'écran. Donc c'est les options pour régler, voilà, si vous voulez mettre l'écran à droite à gauche, déplacer, mais ça marche plus vraiment, hein, c'était sous sur les cathodiques à l'époque. On peut mettre le tableau de bord, oui, non, taille tableau de bord minimum, complet, minimum, on verra après. Il y a un changement. Les paramètres audio. Alors les notes aussi. Voilà, donc on peut voir les notes, oui, la distance, des comptes de la distance, le chrono, les notes en 3 dimensions si on veut. Les piles de notes. Distance des notes, etc. Donc ça c'est vraiment des réglages très très poussés. Je pense qu'il n'y a aucun jeu, sincèrement. Peut-être Dirt Rally qui permet d'avoir des réglages aussi précis au niveau des notes. Et ça c'est quand même déjà un très bon point. En termes de commandes, on a la vibration qui est gérée bien sûr. Ah, par contre j'ai l'impression que le jeu est super fort en son. Je peux te baisser un petit peu. Pourtant le son est assez bas, c'est assez bizarre. Donc voilà, on a plusieurs définitions de manette. Je vais juste baisser un peu le son de la musique. Voilà, on va mettre un peu au milieu. Ça on n'aura pas trop. Allez, on va mettre au milieu, hein, voilà. Ambiance sonore habitacle, oui, on va faire pour l'activer. Et donc, on a les notes, les rapports aussi.
On peut mettre les rapports automatiques ou manuels. Verrouillage du poids mort. Voilà, ça empêche par exemple en freinant violemment à vitesse élevée, en rétrogradant plusieurs fois, on tombe sur le poids mort. Et protection de la boîte. Donc protection de la boîte, on va l'activer parce que vous allez voir que ce jeu est suffisamment difficile de base pour se mettre des bâtons dans les roues. Et on peut changer la langue, vous l'avez vu au début. Et puis voilà, donc on va faire modification. Bon voilà, on peut enregistrer à nouveau. Ce jeu donc est basé sur de la simulation. Donc c'est plutôt vaut mieux jouer qu'à volant hein, concrètement. On va y jouer à la manette pour des. Pour des considérations techniques, on va dire, et on va découvrir du coup l'école de rallye. Et figurez-vous que si Richard Burns Rally avait été série, que j'aurais d'ailleurs fort aimé, puisque vu la qualité du premier auquel on va jouer, c'est évidemment dommage qu'on n'ait pas une suite. Et on a donc des exercices pour apprendre, pour apprendre le rallye. Alors j'ai fait un peu à l'avance le permis pour que vous ayez un aperçu à peu près rapide et sans qu'on perde trop de temps dessus. Mais concrètement, on nous apprend un petit peu tout, voilà comment faire, les trajectoires, les rapports, la qualification, etc. On va faire une qualification qui est en fait un mode où on va faire une spéciale en temps limité. On a à peu près voilà 100 secondes pour arriver jusqu'au bout de la spéciale. Et vous allez voir, alors, on va détailler ça au fur et à mesure dans un rallye simple. Hein. J'aurais aimé faire un petit Dans une spécial telle d'essai. qualification, tu seras tout seul. Tu dois terminer l'étape dans les temps donnés sans avoir d'accident. Ne sois pas déçu si tu ne réussis pas, tu as eu beaucoup assimilé en peu de temps. Tu peux revenir sur les leçons précédentes et les réviser jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise. Une fois l'essai réussi, tu seras qualifié pour les leçons de perfectionnement de rallye. Pour t'aider et te guider, nous avons placé des balises le long de l'étape. Si tu freines au niveau des balises rouges et restes à l'intérieur des bleues, tu devrais te qualifier très bientôt. Bonne chance. Voilà. N'oublie pas, ne conduis pas au-delà de tes compétences. Mieux vaut prévenir que guérir. Alors, ce petit conseil, ce petit adage est quand même très important en rallye parce que c'est pas comme en F1 ou dans d'autres spéciales sur circuit. C'est vraiment le rallye, c'est un mélange d'un petit peu d'endurance et de rapidité parce qu'il y a tellement de chances de faire d'erreurs, de se planter que parfois il vaut mieux arriver avec la voiture entière que de faire des temps scratch et finalement se planter au bout de deux spéciales. Donc, c'est parti, je vais vous montrer un petit peu. Ok, je mettrai le chrono en marche dès que tu commences à avancer. Voilà, donc je vais pas avancer tout de suite, je vais vous montrer. Donc, on a une vue, deux vues. Et une troisième vue, donc là on est avec la Subaru de Burns, normalement. On peut voir du coup le pilote qui bouge à l'intérieur quand on avance, enfin quand on tourne. On a donc trois vues, alors on verra si on a une vue en mode de rallye. Je suis gardé ça pour découvrir en même temps que vous la suite. On peut changer les rapports à la main. Vous voyez, là je passe le 1, le neutre, etc. Mais c'est vote semi-automatique, c'est-à-dire que si je ne change pas les rapports vont se changer automatiquement. Mais je peux forcer des rapports. Ensuite, donc voilà la vue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, tourner droite gauche, on peut tourner avec les flèches ou la croix. C'est la même chose que je viens de dire, avec le joystick, pardon, ou la croix directionnelle. Sachant que la croix directionnelle sera beaucoup moins précise, et pourtant, c'est ce que j'ai choisi pour rouler avec cette voiture. Donc on est en mode difficulté maximum. Il manquerait plus que jouer avec la souris comme dans Life or Speed et on aurait tout fait. Allez, c'est parti, on va démarrer, sinon on va prendre 1 heure et demie à faire cette vidéo. Donc c'est parti, je vais mettre en vue. Bah, une vue hors du sol déjà, vous comprenez un petit peu la vitesse et la difficulté du jeu, donc c'est parti. Voilà, donc là on va y aller tranquille. Vous allez, quand je dis que c'est un jeu de simulation, c'est que vraiment la réaction du véhicule est vraiment, regardez, est ultra exceptionnelle. Vous avez vu? C'est vraiment du direct. On a tapé le mur, on a explosé l'arrière de la voiture. Ça a été instantané. Alors, ça se ressent peut-être pas forcément là, parce que j'ai peut-être pas tapé à un endroit trop critique. Mais vous allez voir que le moindre choc sur la voiture est vraiment super bien rendu et on a l'effet sur la voiture qui est quasiment instantané. Je vais vous donner l'exemple par exemple quand j'ai fait le permis au tout début, qui était non sans mal parce qu'il fallait se réhabituer à un maniement qui est quand même un petit peu différent. Et ben je vous dis le moindre choc sur un arbre, concrètement la voiture elle avait la boîte de vitesse qui était bloquée. Ça s'était fait très très vite. Bon là je vais évidemment échouer parce que j'ai perdu beaucoup de temps mais c'est pas grave. De toute façon le but c'est pas forcément de réussir, là c'est juste de vous montrer un petit peu. Écoutez les bruits d'ambiance. On a la suspension qui a pris très cher et regardez. Là la voiture va commencer un petit peu à tanguer. Et chose exceptionnelle c'est au niveau des effets sonores de la voiture, c'est super bien fait. Alors le copilote on aime ou on n'aime pas, il va avoir des réactions assez vives mine de rien. Il est assez vivant le copilote, ça c'est plutôt pas mal.
Bon, il a tendance à faire un petit peu d'homophobie, vous allez le voir. Voilà, je vous l'avais dit. Très de plaisanterie. Donc vous voyez, alors, quand je vais sur le guet, bouffe, la suspension joue d'un coup et la voiture est quand même totalement déstabilisée. Alors j'ai échoué. J'ai échoué bien entendu, mais je suis pas allé vite, puis en plus je me suis bien planté dès le début. Donc c'est un mode de conduite, comme le faisait Colin McRae Rally 1. Et c'est d'ailleurs dommage qu'il ait été pas, ça n'est pas continué dans la suite des Colin McRae. Et c'est pour ça que je dis que ça ressemble un petit peu à une trilogie finalement de Colin McRae, parce que le premier de Richard Burton's Rally, qui est le seul, commence par des séances de pilotage. On va revenir en arrière. Alors on va faire un petit rallye rapide. Donc on a plusieurs pays, notamment la Grande-Bretagne, le Japon, la Finlande, les États-Unis, la France et l'Australie. Je vous propose, vu qu'on est sûrement en mode rallye, on va commencer par la Grande-Bretagne, de découvrir d'autres spéciales rapidement. On va faire par exemple l'Australie. Et vous pouvez voir qu'on a qu'une spéciale qui est déverrouillée. On va prendre une météo favorable pour le moment. Et pour le moment, on n'a que 3 véhicules. Et je crois que c'était la particularité de ce jeu, parce que ce jeu a été modable en tout cas sur PC, c'est qu'on a un nombre de slots limité. Ce qui fait qu'en fait, quand vous voulez jouer à ce jeu, vous êtes obligé de mettre une voiture en place, mais ça en supprime une autre parce que vous n'avez pas beaucoup d'emplacements. Je sais pas si c'est toujours le cas à l'heure actuelle, mais c'était le cas à l'époque. Et donc, pour commencer, on a donc la Subaru, donc la saison 2003, avec les sponsors officiels hein, quasiment. Et Mitsubishi, qui n'est certes pas officiel en termes de, en termes de livret, mais qui est bien là. Une Toyota Corolla avec quelques sponsors en moins. Et on a quelques voitures dont on ne connaît pas. Alors vous l'aurez deviné évidemment avec l'introduction, on aura la 206. Il y aura peut-être sûrement une Citroën. Enfin je pense qu'il y aura ça. On va prendre une voiture, tant qu'à faire. On va prendre la petite Corolla, tiens. On va rester en automatique. Régler la voiture. Regardez. Dégâts voiture, on peut s'amuser à avoir plusieurs choix. Réaliste, réduit ou aucun. On va mettre réaliste pour voir vraiment le jeu, qu'est-ce qu'il peut nous montrer au maximum. On peut faire des réglages de la voiture, alors les réglages sont complets aussi. Hein. On a le tableau différentiel, centre-gauche, avant, et alors là quand je dis tableau de différentiel, regardez-moi ces réglages, sans déconner. Là on parle même plus, même plus du simple pilote, on parle vraiment du metteur au point. Hein. C'est-à-dire le mec qui va tourner en boucle sur une spéciale pour essayer de calculer chaque réglage et vraiment réussir à trouver le réglage optimal. Sincèrement, je ne sais absolument pas quoi régler là-dedans, c'est pas du tout de mon niveau, mais si vous voulez être minutieux dans ce jeu, vous avez la possibilité et ça reste toujours une bonne nouvelle. Je vais être clair quand même avec ce jeu, c'est un jeu qui est réservé à une, j'aime pas ce mot, mais bon, une certaine élite dans le sens où une certaine, des personnes qui aiment la difficulté, qui aiment cette partie de la réalisme. Et ça sera pas pour tout le monde. Ceux qui aiment jouer à Burnout vont pas aimer ce jeu, je pense, parce que c'est vraiment beaucoup plus punitif. Donc on peut régler la suspension, les pneus, le frein, le rapport. On peut faire des modifications symétriques ou non. Alors, en gros, concrètement, si vous modifiez un réglage sur un côté gauche, ça sera répercuté sur le réglage droit. Voilà. Si vous n'êtes pas en symétrique, vous pouvez faire un réglage qui est pas du coup asymétrique. Voilà. On va pas faire des réglages, on va laisser comme ça. Et on va aller dans la spéciale. Et on va enfin pouvoir rouler. Je parle beaucoup, mais il y a quand même pas mal de choses à découvrir ensemble. Voilà, les notes de votre copilote sont extrêmement importantes, vous devez les consulter attentivement. Ça n'a jamais été aussi vrai dans le jeu, vraiment. Alors, il y a le petit sponsor Logitech pour le son. Et vous remarquez qu'on a une vue embarquée, mais qui est un petit peu limitée, c'est dommage. Alors, je ne sais pas si la version PC a une vue en plus, par exemple. Parce qu'on peut sentir potentiellement que la version PS2 c'est peut-être pas la meilleure version. En tout cas techniquement parlant. Écoutez-moi ce bruit de suspension, c'est impressionnant. Enfin, je vous allez voir, je vais pas parler. Et vous allez juste écouter le bruit. Rapide à gauche, resserre, long, 50. K à gauche, dans. Reste au milieu, au-dessus de la crête, dans. Rapide à gauche, 30. Le boîtier de vitesse a l'air cassé. C'est fini, hein. C'est terminé. J'ai fait un petit pouf. Bon, sur la texture, certes, là, je l'ai pas en 3 dimensions. Mais c'est fini. On a cassé la boîte de vitesse instantanément sur un choc. Et on se l'est pris à,
je sais pas combien, hein, mais 30 ou 40. Ce qui est totalement logique, donc on va faire recommencer. Quand je dis que le jeu est punitif, je pense que j'ai jamais vu un jeu aussi punitif. Notre allié à côté n'est pas autant punitif, même en hardcore. Si vous tapez à cette vitesse dans Dirt Rally 2, Dirt Rally 1, vous allez casser les éléments, ça c'est sûr, mais vous allez avoir au moins une chance de plus de pouvoir, ou deux, pouvoir vous en sortir. J'ai fait un faux départ en Doucement à plus. droite, long, Magnifique. au-dessus de la crête, Bon, on est parti avant le droite, bip, c'est pas long, grave. fort. Alors je vous montre un Regarde petit peu la voiture de au-dessus de l'extérieur la quand même, crête, parce qu'on va parler un devant. petit peu des graphismes maintenant, avant de reparler évidemment du reste. Vous pouvez voir que la voiture est quand même fort bien réalisée, très bien réalisée. Bon, pour moi sur PS2, le jeu est sorti, enfin en tout cas je crois que c'est 2004 je crois, sorti du jeu. Devant, long, fort. Et du coup c'est pas mal parce qu'on va pouvoir faire le rapprochement. C'est pour ça que j'ai préféré le faire du coup à la suite de Colin McRae Rally 4, parce qu'on pouvait comparer un petit peu les jeux. Rapide à gauche, resserre, Et bon là ça long, glisse fort. énormément. C'est pas le genre de vue que vous allez utiliser pour jouer vraiment dans ce jeu, parce que pour être précis, il faut avoir une vue qui est Bien plutôt gauche, très long, proche de la piste, dont celle-là. tout ligneux, Et au-dessus de la pour moi crête, cette long, vue, un petit peu gauche, fort. c'est la plus intéressante. On a la gestion des déformations Devant, aussi sur les regarde éléments du droite, décor, donc fort. ça c'est bien. Doucement à droite, au-dessus de la crête, dedans. Et je peux vous dire que pour Rapide à appréhender gauche, ce fort. maniement, il va falloir vous lever tôt parce que Au-dessus de c'est la crête. vraiment particulier. Vous voyez, chaque freinage en fait aura tendance à vous faire partir légèrement. Rapide à gauche, Et si fort. vous êtes en, si le châssis Rapide en à fait droite, est un au-dessus petit de peu la crête, déporté trop devant moi, rapidement, enfin le au-dessus de la poids crête, fort. trop d'un côté, donc que ce soit à gauche ou à Rapide à droite, gauche, elle est fort. très difficile à maintenir droite en fait la voiture. 90 à gauche, 70. Alors là, je freine à fond. Je vais être très nul. Concrètement, Au-dessus de la dites-vous gauche, qu'il y a à rapide peine à une demi-heure droite, de jeu avant. attention, reste au milieu, Donc serre, voilà, long, ne portez fort. pas. Je pense qu'évidemment, on 90 peut à rouler gauche, beaucoup plus vite. long, moyen Mais comme droite. je vous dis, le jeu étant tellement compliqué. Fallait aller où là? Non, c'est pas là. Ah, vous avez vu, on a même le. Non, j'allais dire, on a même le véhicule de Scooby-Doo, mais ça n'a rien à voir. Reste à droite, au-dessus de la crête, 150. Donc là, vous voyez, je prends mon temps. On a les Rapide à spectateurs en droite, 3 fort. dimensions, voilà, Moyen à sur les gauche, bords de fort. piste. Il y a du monde. Les spéciales sont très réussies en Rapide à général, droite, dedans. Au-dessus de la pour avoir gauche. testé un petit peu. Il y a longtemps, hein, quand je dis Rapide les à 30 droite. minutes, j'ai joué à ce jeu il y a très longtemps. Reste à gauche. Et je ne l'avais Au-dessus de la pas, donc crête. du coup, 60. c'est sur son PC. Moyen à droite, Et dedans. c'est comme si je n'y avais jamais joué Rapide à concrètement, gauche, parce fort. que. Bah, parce que ce jeu étant tellement dur, j'ai pas vraiment eu Devant l'occasion gauche, de trop y jouer. long, au-dessus de la crête, dedans. Moyen à gauche, Voilà, dedans. donc là on est tranquille. Moyen à Les droite, freins aussi hein, ont Devant une puissance gauche, qui est assez long, modérée. fort. Aïe aïe aïe, je pense qu'on a un peu touché le châssis là. Reste à gauche, au-dessus de la crête, rapide à gauche, Les fort. freins, on sent Rapide à pas linéaires droite, du tout. moyen C'est-à-dire à qu'en gros ils vont gauche, commencer à mordre dès le début, mais rapide à après droite, ils vont être dedans. un Moyen à petit peu gauche, fort. dépassés, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas dans les réglages par défaut. Ce qui fait qu'on va avoir tendance à Devant gauche, glisser au-dessus de tout la au bout crête, avec fort. les pneus Moyen à bloqués. droite, Enfin, dedans. les roues bloquées. Moyen à gauche, doucement à gauche, au-dessus de la crête. Oh là, attention. 90 à droite, fort. Donc je reviens sur les graphismes, donc je dis que les voitures étaient Rapide à plutôt bien droite. réussies. Petite déception par contre évidemment pour le. C'est pas ce côté. Petite déception. Oh, ça c'est pas mal. Ils nous remettent sur la piste. Je me suis dit on va les écraser, mais en fait, genre j'ai le voile rouge et tout, genre c'est le sang, c'est genre vous êtes mort, vous avez tué quelqu'un. Rapide à droite, Mais en fait fort. pas du tout, non, ça Moyen nous à remet gauche, sur la piste rapide à simplement. Voilà, droite, ce qui est plutôt réaliste. moyen à gauche, Un fort. bon détail en tout cas à Fort. souligner. Rapide à Et donc gauche, au niveau des fort. graphismes c'est propre. Moyen à droite, Voilà, fort. pour une PS2 c'est très bien. Pas d'aberration, Moyen à les droite, couleurs sont. dedans. Bon, les couleurs sont pas très vives, vous l'aurez compris, mais bon, quand on veut être Moyen à réaliste, gauche, fort. Rapide à les droite, couleurs sont pas moyen à toujours droite, dedans. chatoyantes dans la vraie Fort. vie. Donc on s'y Moyen rapproche. à gauche, au-dessus de la crête, J'ai pas rapide vu à beaucoup de droite, clipping non dedans. plus. Bon, c'est des spéciales de rallye, donc Moyen à gauche, en général, comment dire. Ben, on va pas très vite, donc en fait on va pas au loin. Mais Moyen à regardez qu'il n'y a pas de gauche, clipping, hein, rapide on à va droite, très très loin. resserre, long, dedans. On a même des oiseaux qui s'enlèvent à notre passage. Pas mal de Moyen à détails. gauche, C'est fort. un jeu qui est fait pour ceux qui ont envie de s'amuser à la conduite, la vraie conduite, même si je roule à la manette. Voilà, qui ont Rapide à envie gauche, d'avoir un fort. truc très simulation. Rapide à droite, Et ce jeu dedans. est ultra bien réussi pour ça. Alors il a certainement vieilli en termes Reste au de milieu, au-dessus ressenti, de la par exemple crête, volant, dedans. notamment là, sur Rapide à PC, gauche, parce que fort. bah, les jeux Moyen ont à quand même bien gauche, évolué à ce fort. niveau-là. Mais je pense que ça reste un jeu Moyen très à gauche, très à dedans. la pointe Moyen à à l'heure droite, au-dessus de actuelle. la crête, 70. Pour s'amuser, en tout cas, enfin pour prendre son pied Rapide à avec une gauche, au-dessus de la difficulté crête, fort. réelle à faire du rallye. Pardon, j'aurais pu aller plus vite. Ouh là, ça fait penser un petit peu à une spéciale façon Portugal, là, enfin avec la descente comme ça.
Voilà, où il y avait les mêmes spectateurs qui se mettaient sous les voitures à cet endroit. Non. Enfin, sous les voitures, je sais pas, mais il m'a semblé avoir vu ça à l'époque du groupe B. Alors, je peux changer de vue, évidemment. Là, je suis remettre avec cette vue-là. Mais cette vue-là est déjà beaucoup plus difficile parce qu'on a l'impression d'être plus haut. Et on ressent moins Enfin, on ressent plus la voiture, effectivement. Mais je trouve que c'est un peu plus difficile déjà à contrôler. Mais si on veut être réaliste, on prendra cette vue. Il faut s'arrêter. Hein. Alors, je peux voir la rediffusion, sauvegarder le processus, ou voir la rediffusion. On va revenir au menu principal. Et je vous montrerai un autre rallye. Alors c'est un jeu, vous aurez compris, qu'il y a quand même moins de contenu qu'un Colin McRae. En termes de véhicules, en tout cas. En termes de rallye aussi, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus faible. Mais l'intérêt ne réside pas là, vous l'aurez compris. Alors on peut faire donc une saison de rallye, on fera ça un petit peu après, je vous montre quand même notre rallye tant qu'à faire. On a le défi Richard Burns, donc on va carrément faire le défi. Donc on a l'école de rallye, on a la Côte d'Arbrose, donc qui est par exemple le meilleur temps qui est fait par... Alors le meilleur temps du jeu, soi-disant, c'est 2 minutes 48, mais le temps de Richard est en 2045, donc il va falloir essayer de le battre. Et on a les spéciales qui sont verrouillées, on débloquera un petit peu plus tard. Notamment... Je sais pas quel est ce spécial, mais je crois que c'est le rallye de Finlande. On va prendre les Côtes d'Arbrose. Oh, tout va. Ça là m'a l'air d'être dans la neige, donc on va tester une spéciale sur la neige. On va changer de voiture, on va prendre la Mitsubishi, comme ça on reviendra sur la Subaru. Alors je mets des dégâts réduits pour qu'on puisse au moins aller loin dans la spéciale, parce que je sens qu'au bout de 3 virages ça va être compliqué. Donc là on va être sur de la neige, donc on va voir si la voiture réagit, en tout cas de manière au plus proche de la réalité, avec ce revêtement. Il n'y en a pas un, hein. C'est juste de la neige. Et regardez les balais d'essuie-glace. On est parti. On a fait un faux départ. On a fait de faux départ, je veux dire. Et là, je vous laisse quand même imaginer le manque de visibilité. Déjà, avec les essuie-balais d'essuie-glace en face de vous, comme ça, je vois rien. Sincèrement, je vois pas grand-chose. Mes yeux sont focalisés, pourtant. Pour ce qui passe devant la voiture, mais j'ai l'impression que les essuie-glaces en fait m'empêchent de focus dessus. Bon, on va changer de vue. Alors, je vous montre la Mitsubishi comme ça, vous l'aurez vu. Un peu comme la Toyota. Attention. Alors là, je suis très très lent. Regardez, je vais partir dans le ravin. Non, ça va, on va réussir à repartir. Alors ça va, je pensais qu'on allait vraiment s'enfoncer complètement. Ah si, on s'est enfoncé quand même un petit peu dans la neige. Mais pour partir, ça n'a pas été très compliqué. Bon voilà, vous avez vu. Alors j'ai pas l'impression. Non. Je suis rentré dans le spectateur, les pauvres. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait de vue arrière par contre. J'en ai pas vu. Je fais un clic molette, il se passe rien. On va se mettre dans cette vue. Voilà, histoire de détecter un petit peu la glisse. Alors la glisse est légère. Bon, on sent quand même que les mouvements à l'accélération sont plus abrupts. Et voilà, là on sent la glissade par contre. Pour revenir sur la piste, c'est compliqué. Alors j'ai déjà roulé sur la neige comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Hein. Les gens de ma chaîne sont assez, sont un peu tous les âges, mais beaucoup ont déjà l'an permis, ou même plus que l'an permis. Donc j'ai roulé sur la neige pendant longtemps. Une fois, ça m'est arrivé. C'est la rare fois que ça m'est arrivé, mais j'ai dû le faire pendant 2 heures. Et je peux vous dire que certaines réactions de la voiture, en tout cas, voilà, notamment ça, sont assez réalistes. Le fait de continuer en glissade alors qu'on arrête de tourner dans le virage et que la voiture a tendance à chasser comme si elle est tout droit, qu'elle tournait plus, eh ben, c'est vraiment, vraiment bien fait. Alors, vous avez l'impression que je me traîne, hein, et concrètement, je me traîne, je pense. Je pourrais aller plus vite. Mais quand même doucement à chaque fois, hein. Donc je pense qu'il faut quand même pas exagérer. Oh la vache. Alors évidemment, je suis pas très précis avec la croix directionnelle, hein, donc vous allez dire, mais il braque totalement fort, etc. Mais pour doser avec une croix, vous imaginez, c'est pas non plus trop facile. Je vous ramène à une vidéo de multijoueur avec Guillaume sur Gran Turismo 4 d'ailleurs, qui a dû être forcé à jouer à la croix. Et vous avez compris, quand on n'a pas l'habitude, c'est quand même difficile. Je pense que les générations qui ont connu le jeu vidéo avant les années 2000 sont plus habitués à jouer à la croix, et celle d'après un peu plus à l'analogique. On sent pas trop mal, écoutez, on a fait quelques erreurs, mais
Après, le temps doit être assez nul, hein. Je pense que le temps. Là, je me retrouve emmené dans la neige. Par contre, voilà, ça c'est pas réaliste. Je vais être clair. Quand vous êtes en dehors de la piste, vous voyez le monticule de neige, hein, concrètement, qu'on a sur les côtés. Logiquement, la voiture devrait s'enfoncer net dans la neige. Elle devrait pas pouvoir glisser comme elle le fait actuellement. Donc, ça c'est pas réaliste. Voilà, on va être honnête. Je devrais pas pouvoir faire ça. Par exemple, si dans. Je compare toujours à Dirt parce que c'est une simulation actuelle. Normalement, voilà, si je touche légèrement à l'intérieur, là, la voiture devrait être emmenée complètement dans la neige et limite sans s'enfoncer dedans. Là, on a l'impression que la neige n'existe pas. Richard a terminé. Bah écoutez, on est content pour lui. Nous, en attendant, on est à la rue. Et le jeu a planté. Ah non, je crois que le jeu a planté. Ouh, j'ai eu peur. Du coup, on est très très loin. Voilà, vous l'aurez compris. Oh bon sang, c'est pas facile. Alors, il a fini depuis combien de temps, le cher Richard? Ouais. C'est pas. Je suis vraiment très très lent. Hein. Oh. Regardez la différence de vitesse par rapport à Richard Bott. Je crois que je suis déjà une minute de retard, non? Un truc comme ça. Alors, peut-être que je peux aller plus vite. Hein. Je vais peut-être essayer d'aller plus vite. On va y aller un peu comme un bourrin, je suis désolé, mais au moins on va pouvoir voir si c'est possible. Ah ouais, non, mais à aucun moment. À aucun moment j'arrive à aller vite en fait. Ouais, si je conserve pas cette vitesse de papy, bah concrètement j'y arrive pas. 4 minutes 59. Richard Bond, ça met combien de temps? Alors, dans le premier intermédiaire où j'ai perdu beaucoup de temps, on va comparer les deux autres. On va comparer les deux autres. Ah oui, non, mais l'intermédiaire 2, attendez. Ah non, mais c'est pas par intermédiaire en fait, c'est juste le point de passage. Donc en fait, je peux pas comparer les intermédiaires, c'est dommage. Ma grand-mère conduit mieux que vous. Énorme, je me fais troller par le jeu. Bon. Donc concrètement, j'avais dans l'intermédiaire 1, j'avais quasiment 50 secondes de retard déjà. Dans le deuxième, j'avais 1 minute. Ça veut dire que dans le deuxième, j'étais à 10, j'étais pas trop mal en fait par rapport à mon premier intermédiaire. Et le dernier, du coup, je termine à 1 minute 4. Ouais, 1 minute 4, voilà. Bon, j'ai perdu beaucoup de temps au début, mais il reste du boulot, hein, évidemment, pour pouvoir battre Richard Burns. Et alors, je vous propose du coup de peut-être faire un autre rallye, tester notre rallye, et ensuite on testera le mode championnat. Voir qu'est-ce qu'on a de différent avec ce mode. On va donc faire un rallye rapide. On va partir. Ouais, je vais partir en France. Rallye sur piste. Ah, attendez, rallye sur piste. Rallye sur neige, on l'a fait. Rallye sur asphalte. Ah, mais là, c'est vraiment asphalte. J'ai l'impression d'avoir déjà fait ce rallye, c'est bizarre. Non, on va faire le Japon. Pour une fois, on le fait rarement. On va prendre Tanner. Et je vais vous montrer une météo défavorable, voir si bah, il y a la pluie, ce genre de choses. On va prendre la Subaru en automatique et on va commencer la spéciale. Alors j'ai pas trop parlé de l'interface de jeu. Elle est totalement claire, elle est totalement en adéquation avec le monde du rallye, je trouve, même si ça manque de personnalisation. Mais on est dedans. On est dedans, c'est très sobre, très sérieux et ça va très bien avec ce que le jeu veut nous montrer. Alors, on n'a pas de copilote féminin, ce jeu étant totalement sexiste. Non, j'exagère. Ouh la vache. Alors, ok. Donc là, on est au Japon. Enfin, oui, on est au Japon. On va du coup voir un petit peu ce type de revêtement. Qu'est-ce que ça donne en termes de grip. Donc, je vous ai un petit peu expliqué les défauts que je retrouvais en tout cas sur la neige. On va voir maintenant sur du. Ouais, un peu du gravier. Attirons l'attention sur la gestion des flaques qui est très bien fait. Et vous remarquerez que certaines parties de piste sont plus ou moins mouillées par rapport à d'autres. Et ça a un léger impact quand même sur la maniabilité. Voilà, par exemple, je suis passé légèrement sur la flaque. Il y a eu un petit changement de direction. C'était très très léger. Hein. Vraiment, c'était très sobre. Mais voilà, ce jeu gère vraiment les différences de grip de manière en tout cas assez forte. Alors, mis sous la neige. Ah, une découpe carrément. J'aime bien quand le pilote me dit couper. Ouais, vas-y, fais ce que tu veux, traverse la forêt, les virages, on s'en fiche.
Voilà. Donc c'est un jeu qui va réclamer beaucoup de patience. Voilà, je vais me répéter évidemment hein, tout au long de la vidéo. Mais que voulez-vous que je vous dise? Quand même, regardez le nombre de détails quand même en termes de la végétation. Il y a quand même pas mal, hein. Pas mal de choses. Bon là, je fais un petit peu n'importe quoi. Enfin, je suis pas forcément sur la piste. Je me traîne, hein. Je suis comme une grand-mère. Comme il a bien dit juste avant. On va regarder un petit peu la voiture d'ailleurs. Et vous remarquerez bah, évidemment qu'elle se salit. Alors l'effet de réflexion est un petit peu moyen en revanche. Je trouve qu'il est un petit peu trop clair. Mais bon. Ah bah, y a bien pire. On va freiner à fond. Petit coup de frein à main, c'est ça que je n'ai pas parlé, mais on peut utiliser le frein à main bien sûr. J'aime bien quand il a dit non. Il savait pas ce que j'allais faire, il était déjà pas d'accord avec moi. Attention, saut 70. Doucement à gauche, au-dessus de la crête, rapide à droite. Oula, joli saut, pas mal. Suspension ont dû adorer. Doucement à gauche, 100. Oula, attention. Un petit peu sorti. Alors c'est vrai qu'en plus quand on passe par là. Oui, il y a le il y a un spectateur. Il est en train de remonter la pente. Et c'était super bien fait parce qu'il escaladait vraiment le bah, le petit monticule. C'était pas genre il se décalait totalement à gauche ou à droite d'un coup ultra vite comme dans les jeux classiques. Et là je vais me prendre l'arbre, hein. J'ai l'impression qu'on voit pas grand chose. Je vais changer un peu de vue, voilà, la vue un petit peu embarquée. Et là, bon on y voit un peu plus déjà que sous la neige tout à l'heure. Par contre j'ai l'impression trop ralenti. Mais on voit vraiment pas grand chose. Oh mon dieu, j'ai même pas vu le virage. Et il m'a carrément fait sortir du virage. Bon, ok. On va partir avec cette vue qui pour moi est la vue la plus pratique. Donc là ça glisse pas mal hein, sur ce revêtement. Ouh, les virages très serrés, attention, et reprendre l'arbre. Ouh, il y a attention. Est-ce qu'on pourra revenir sur la piste en accélérant à fond? J'en doute, en plus j'ai tapé deux fois la voiture. Et du coup, elle est cassée, on peut le voir. Allez, du coup, on va passer au deuxième intermédiaire, j'ai l'impression. Ah bah non, c'est fini, on a fini la spéciale. Ah par contre, l'arrivée en trombe, j'ai pas trop compris pourquoi il dit ça. On va s'arrêter devant les commissaires, voilà. Donc j'ai fait un record personnel, mon meilleur temps évidemment. Le record spécial par contre est beaucoup mieux. Je suis quasiment à, bah, je suis à 32 secondes de retard, donc c'est vraiment lent. Hein. Voilà, je pense qu'il y a quand même de vraiment faire mieux. Il va falloir s'entraîner. Alors non, on va pas faire commencer. On va faire le retour au menu principal. On va valider. Et je vais vous montrer du coup le mode de, bah, le mode championnat. Chargement QG du rallye. Changement, c'est un petit peu long. Alors, vous ne l'avez pas remarqué forcément dans le permis, mais l'école de rallye, vous avez intérêt à être bon rapidement parce que franchement, le temps de recommencer une spéciale, c'est vraiment, vraiment long, quoi. Alors, on a différents modes. Débutant, professionnel, champion. Professionnel ou champion. Bah écoutez, on va laisser le mode normal pour voir ce que ça donne. Non, on va mettre un mode débutant. Je veux vraiment être sûr de voir si ce jeu peut... peut être joué par des gens qui pas forcément la simulation. On va mettre des dégâts réduits. Et du coup, on a des offres d'écurie. Donc le Frontline Racing, le Nexus Motorsport ou le Tempus Rally Group. Je vais garder le Frontline Racing. Puisque je trouve que c'est la plus maniable finalement des trois. Je crois qu'elle était assez facile à... à gérer. On peut faire un essai sur spécial, un essai sur circuit aussi, mais je vais lancer la saison directement. Et on a un chat qui nous a rejoint sur le plateau. Alors, rallye de Gateshead, bienvenue. Le rallye international Pirelli traverse les forêts et cultures de Gateshead. Gateshead, pourquoi je dis Gateshead? Dans le snow, bon, enfin, il nous explique en gros ce rallye sur terre emprunte essentiellement des routes de campagne et des chemins forestiers.
Donc on va faire un tour de reconnaissance, on peut régler la voiture, mais on va faire ça, on va faire un petit tour de reconnaissance. Et on va commencer sur la première, hein. Comme ça on verra un petit peu ce que ça donne. On peut choisir les pneus, donc là on a la terre sec, intermédiaire ou mouillée. Je mettrais bien intermédiaire, hein, parce que vu franchement la gueule de la spéciale, même mouillée, hein, ça pourrait être pas mal. On va mettre du mouillé. Et on va commencer la reconnaissance. Alors on va voir ce que c'est. Est-ce qu'on va juste faire 2-3 virages ou est-ce qu'on va devoir faire un spécial entièrement? Si vous sentez que vous passez facilement contre la voiture, vous partez trop. Ah, j'ai pas le temps de lire, malheureusement. Finalement, le chargement était pas si long que ça. Allez, c'est parti. Alors, ça, par contre, c'est une spéciale qui me parle. J'ai l'impression d'avoir déjà fait il y a très très longtemps, justement, sur PC. Et je crois que je n'avais pas fait plus de 4 virages. Où je m'étais planté au bout d'une ligne droite, la seule ligne droite qu'il y avait. Tellement que j'avais été surpris par les freins. Oula. Ah, je sais bien, c'est la réaction du copilote qui a pris un, qui est un peu mal, à mon avis. Hein. Heureusement que c'est de la reconnaissance. Hein. Tout heureusement qu'on a mis les dégâts réduits. Alors un truc assez extraordinaire, alors là vous n'avez pas forcément le cas ici. Il faut vraiment être scruté, je vais y arriver. Vraiment écouter attentivement le son de la voiture. Mais il m'est arrivé juste avant de commencer donc à tourner la vidéo. Il y a eu en fait un effet de... Le son en fait, j'ai l'impression que le fond est un peu 3D. Dans le sens où suite à un choc avec la voiture, il y a eu un effet d'air continu sur le côté du coup choc en fait. Concrètement c'était un choc de droite sur l'arrière. Et j'ai eu un effet de sifflement continu jusqu'à la fin de la spéciale de ce côté là. Donc j'ai trouvé ça exceptionnel quand même que le son soit modifié selon en fait l'état de la voiture. Ça, je vous dis que le son, là vous n'allez pas trop en profiter parce que je parle par-dessus. Mais vraiment, dans ce jeu, vous allez voir, c'est quand même quelque chose. Bon, j'ai mis des réglages en fait pour la pluie, mais il pleut pas. Hein. Pourquoi j'ai mis des pneus pluie? Un peu bête. Là, on commence à prendre de la vitesse. Là, on commence à prendre la confiance. Et c'est pas ce qu'il faut toujours en rallye. Hein. Enfin, il faut en avoir un petit peu. Et rester mesuré quand même dans certaines fois, dans certains passages. Et surtout ce qui est assez compliqué c'est les arbres de piste. Notamment les rochers et les bouts de bois. Décidément ils adorent ça dans les rallyes d'Angleterre. Dans tous les jeux de rallye, on a des brondins de bois quand on fait le rallye d'Angleterre. C'est impressionnant. Oui, donc je disais dans beaucoup de rallyes, il y avait... Oula, là j'ai sorti de la piste complètement, c'était pas ici. Là j'ai freiné, vous avez vu, ça n'a pas forcément bien marché. Qu'est-ce que je fous là en fait? Au bon endroit? Attendez, c'est bizarre. Passer au milieu? Ah non, en fait on peut vraiment pas passer par... Attendez, mais ça veut dire qu'on peut refaire quasiment toute la spéciale... Par où on veut quoi. Bah là évidemment je suis dans le mauvais sens, donc il va falloir que je passe sur le côté. Voilà, on va revenir par là. Alors, freiner, attention. Ah, il y a du monde, attention. Et ouh, je me suis pris le. Ouais, j'allais dire, je. Et même le rondin de bois a bougé, c'est-à-dire que le rondin de bois a pas l'air statique finalement. Je suis complètement bloqué. Oh, l'échec. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va faire. On peut faire une demande d'assistance. J'ai quasiment cassé l'avant. Ouais, du coup, on va faire va parc d'assistance et abandonner la spéciale, voilà. Ça, c'est le résultat de la reconnaissance. On va changer le parc. On va du coup faire continuer la saison, évidemment. Par contre, au niveau des réglages de la voiture, on va remettre... Alors, c'est très couvert, apparemment. Voilà.
On va du coup réglage terre, réglage emplacement, on va faire réglage pour défaut de terre, ok. Non, je vais continuer saison. Voilà, à un moment donné. Réglage par défaut terre, on va garder le terre intermédiaire finalement, on va pas garder la pluie. Et voilà du coup les spéciales, et on peut voir qu'on est donc 14. Et vous allez voir du coup qu'il y aura des Hyundai à débloquer, des Citroën à débloquer et des Peugeot. Voilà. Comment on découvre un petit peu à l'avance les voitures qu'on pourra conduire plus tard. Allez, c'est parti pour la première spéciale. Alors, pas que je coupe le départ, évidemment. 3, 2, C'est parti. Finalement, j'aurais dû mettre des pneus pluie. J'ai encore fait n'importe quoi. Heureusement que je suis en intermédiaire. Hein. Parce que j'aurais été en sec, là, par contre, ça aurait été galère. Bah, je pense que ça aurait été beaucoup plus galère. On va essayer de faire spécial tranquillement. Et je vais vous laisser profiter du jeu et du son du jeu. Je m'y attendais. Je m'y attendais. Attends, est-ce qu'on peut passer sous le pont? Oui, on peut passer sous le pont. C'est génial. Non, on va faire start, demander assistance. Voilà, on perd un peu de temps. Ça commence super bien. Attention, dans pont. La façon dont il a sorti ça. Bon, allez, je vais me tais. Je vous laisse un peu écouter le jeu. Alors c'est quelque chose de très difficile à maîtriser, ça reste quand même le dérapage et la reprise de grip. On la sent partir, hein, on peut la contrôler, on peut ralentir pour un petit peu la maîtriser. Mais des fois, enfin voilà, là elle part d'un coup par exemple. Heureusement que le virage était serré, sinon je partais totalement à l'équerre. Et là par exemple elle tourne très peu. Elle tourne plus vite quand elle part dans l'angle de l'arrière, ce qui est logique, hein, c'est pour ça que les pilotes ont tendance à drifter de l'arrière. On va freiner. On a changé de voilà de revêtement. Et on peut voir quand même que sur les côtés, on a un énorme comment dire. On a des énormes ravins en fait. Là, on va freiner bien avant. Garder le maximum de. Et on va accélérer. J'aime beaucoup la progressivité de l'accélération. Oui, l'accélération. Et la reprise de grip. Je trouve ça vraiment exceptionnel. C'est vraiment quelque chose à tester. C'est très difficile à expliquer dans une vidéo, mais. Il y a quelque chose qu'on ressent bien dans le comportement de la voiture. Et donc là, on va arriver. Alors je sais plus combien de temps elle fait la spéciale, on est à 3 minutes. Alors les spéciales sont pas forcément longues en termes kilométriques. Par contre elles sont longues parce que soit je me traîne déjà. Et puis parce que le jeu est plus difficile, donc on a tendance à être un peu plus lent quand même. Rapide à 5 secondes apparemment de retard du leader qui a. Si j'ai bien calculé. Et du coup on pourra se faire un petit. Pas une sorte de bilan quand même, parce qu'il faudrait jouer des heures et des heures évidemment pour maîtriser ce jeu, pour voir un peu tout. Mais en tout cas une sorte de bilan sur le mode facile. Avec des dommages par contre je précise. Et voir à peu près à combien on se situe. Ça permettra de faire un petit peu une valeur étalon. Alors j'ai fait deux grosses erreurs, vous l'aurez compris. J'ai perdu bien au moins 15-20 secondes. Hein. Vraiment, ça doit être dans ces eaux-là. Sans parler de la vitesse moyenne qui doit être assez faible aussi par rapport à un pilote expérimenté.
Ah là, mais le problème c'est que voilà, ça c'est un... Enfin, c'est logique en soi. Je veux dire, on rentre dans les gens, bon. Mais, bah... Ils n'étaient pas à se positionner à cet endroit-là, bah, il n'y a pas de rocher, il n'y a rien, donc potentiellement... Je devrais pas avoir cet affichage-là. Oula, on est passé à travers un rocher. Un rocher, deux arbres et un buisson. Allez, on va repartir là. Oula! Alors là, j'ai tapé fort derrière. Regardez, j'ai la vitre qui a explosé. Et derrière, alors je commence à être difficile à manier avec cette voiture. Non, j'ai pas de gros dégâts. Bon, après, c'est qu'on a en réduit. Et ça va, la voiture continue à se conduire assez normalement. Je crois qu'elle fait 8 minutes la spéciale en fait. Je crois que j'avais lu ça. Ah non, même pas. Donc 5,48 on a fait. On va du coup se garer. Voilà, on va s'arrêter là. Si on y arrive. Et on a fini. Non, on n'a pas fini dernier. Alors attendez, voilà. On a l'intermédiaire et le... Ah mais c'est totalement... Ok, c'est totalement dans le désordre. Du coup, on va pouvoir comparer. Vous remarquez d'ailleurs qu'il n'y a pas de... Pas de licence, dans le sens où il va y avoir que peut-être que Burn, sinon même pas. Ergma, Sandbar, ça me parle pas du tout. On va faire continuer. Du coup, on va voir au niveau des temps. Eh ben, finalement, on a fait le meilleur temps. Donc, le mode facile, bon, franchement, il est facile. Parce que le nombre de plantages qu'on a eu, le perte de temps, on devrait pas pouvoir se retrouver premier de la spéciale. Je pense que même quand il m'a créé un en mode facile, on aurait fini un peu plus haut. Alors regardez, par contre on attend une récupération qui bouge lui, hein. Par contre je peux pas changer. On va réparer ah bah le pare-choc avant, on va le réparer, oui. Temps de réparation estimé 1 minute, ok. Ah bah on va tout réparer. Voilà. On va tout réparer parce qu'on a le temps. Donc voilà, il nous répare au fur et à mesure la voiture. On va d'ailleurs voir si le pare-brise, si la voiture elle... Si elle change visuellement, non, il se passe rien. Elle est toujours aussi cassée alors qu'on est censé avoir réparé la carrosserie. Mais bon. A perdu 1 minute après dégagement tardif dangereux. Jurge Gugliotti a perdu 16 secondes après coupure mal négociée. Brian McKenzie a perdu 29 secondes 18 après coupure ratée. C'est pas mal, on a quelques informations sur les concurrents. On va partir comme ça. Et on va garder les réglages par défaut qui me semblaient assez corrects. Par contre, il pleut. Donc, on va mettre les mouillés cette fois-ci. Donc, ça, c'est les heures de départ. Hein, de pas se faire avoir. C'est pas les chronos. C'est pour ça, tout à l'heure, je m'étais fait avoir. J'avais lu 8 minutes quelque chose et je pensais que c'était le temps de séance, mais enfin, le temps de la spéciale, mais pas du tout. Donc, on va faire cette spéciale. Voilà. Donc, les heures de départ. On va attendre le chrono. Et la voiture, bah, la réparer finalement. Allez, c'est parti. Et je me suis fait avoir, évidemment. J'ai mis les pneus puits le jour où il faut des pneus secs. Bon. Comme d'habitude. Je pense que je dois pas lire les informations au bon endroit, hein, concrètement. Je dois pas lire tout court. Bon, en tout cas, ça me rassure un petit peu. Le mode facile est facile. Du coup, bah, ça permettra, enfin, en tout cas, si vous avez fait l'effort, évidemment, de réussir le mode conduite, parce que je précise quand même que si vous réussissez pas le mode conduite, en tout cas dans son premier niveau, vous pouvez pas faire le mode championnat. Hein. Il faut absolument réussir ce mode-là pour pouvoir passer à la suite. Et au jugé, la dernière spéciale qui valide du coup le passage de ce permis, en tout cas dans cette première partie, est difficile. Hein. En tout cas, je sais que beaucoup de gens qui n'ont pas spécialement l'habitude de jouer à des jeux de rallye vont avoir un peu de mal quand même. Donc voilà, le mode débutant est facile, mais faudra quand même s'en donner un minimum la peine de pouvoir y accéder. Pas mal, j'aime bien ces petits dénivelés sur les côtés. Par contre, on sent que la moindre erreur là, et c'est la fin. Voilà, si je dis ça. Les bruits de suspension sont excellents, y'a rien à dire. Des fois c'est même un petit peu too much, mais franchement on s'y croirait.
Ouais, je suis en avance de 7 secondes. Comment je peux gagner 7 secondes alors qu'il y a quasiment très peu de virages? Donc voilà, je pense que si vous commencez le jeu et que vous êtes en mode bon, je connais le rallye, j'ai joué à des jeux de rallye avant, je sais que ça va être difficile ici, bah passez en normal, je pense que vous aurez un challenge correct. Même très bon challenge. Je pense que le mode au-dessus par contre doit être très très difficile. Alors, j'ai pas parlé des sons, enfin j'en ai parlé pour les environnements ambiants, mais le son du véhicule est très bon aussi. Ça sifflote un peu. Oula, la suspension l'a eu mal. Oh la vache! Et du coup, j'ai demandé l'assistance très vite. Voilà, regardez, on a explosé le haut de la voiture, j'ai l'impression. Et regardez, on a une cassure. On a une cassure sur le haut. Et chose assez. Ben, voilà. Ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je peux plus changer les vitesses quasiment. Les vitesses ont tendance à se bloquer et je pars à la faute du coup. Ouais, par contre c'est ma faute, hein. C'est moi qui ai fait l'erreur évidemment. Voilà, je vais passer en première, vous allez voir le blocage de la boîte de vitesse. Oui, là par exemple elle monte les vitesses. J'ai l'impression qu'il se passe rien. J'ai l'impression d'être resté en 6ème. Et du coup quand je freine c'est assez difficile. Et le bruit de couinement de la suspension, j'ai l'impression d'être dans une deux chevaux. Et voilà, là je suis à fond, j'ai pété ma... Bah, je pense que j'ai pété la boîte de vitesse. Bon, en tout cas, un objet. Je vais jusqu'à 130, c'est pas mal. Bah, pour ceux qui posent la question, oui. On peut casser les panneaux. Et on va revenir même sur la piste ici. Regardez, oh là là. Et il y a aussi quelque chose de très très bien fait, je me rends compte ici. Regardez les reflets sur la vitre. Les reflets sur la vitre sont magnifiques. Franchement, c'est magnifique, même sur PS2. Et surtout, vous vous rendez compte que c'est cohérent par rapport au décor sur le côté. C'est quasiment du temps réel. Vous allez voir là. Alors, c'est pas totalement le temps réel, ça y ressemble. Mais j'ai l'impression ouais, que ça prend en compte le fait qu'on est très proche des arbres pour afficher le reflet plus ou moins prononcé sur les vitres. Et du coup c'est assez bluffant. Reste au milieu, au-dessus de la crête, 150. Oula. Ah, il a dû avoir mal le pauvre. On a quasiment pété la portière. Bon, je vous montre de l'extérieur évidemment parce que ça sera plus intéressant vu de l'intérieur. Je crois qu'on pourrait se mettre dans cette vue, hein, mais bon vous aurez compris que la voiture étant totalement morte. Alors l'avantage c'est qu'à cette vitesse, j'ai le temps d'anticiper. C'est au moins le seul. La seule bonne nouvelle. De toute façon, on va finir la spéciale. Et bah écoutez, on s'arrêtera là-dessus. C'est un jeu qui mériterait vraiment qu'on s'y attarde longtemps, au moins plus d'une heure. Mais n'ayant pas fait le jeu, bah, je n'aurais pas grand-chose à raconter de plus. Si ce n'est, bah dommage qu'il n'y ait pas de 2 quoi. Richard Burns Rally 2. Le studio qui a fait ça fait un jeu très 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 bon. Bah voilà, les gars, je pense que vous avez dû te racheter peut-être entre temps, mais. Ça serait vraiment cool de faire un concurrent à Dirt Rally 2. Bon, là j'ai fait un temps en 5 minutes. Et là je suis vraiment au dernier par contre, on peut le voir. 5 minutes, j'ai fait l'avant-dernier temps. Voilà, si je calcule les temps autour. Et Riska n'a même pas fait de temps. Alors ça parce qu'il commence, oui, parce qu'il commence après nous. On peut voir du coup la rediffusion. Si ça plante pas, mais si ça plante tant pis, on s'arrêtera là-dessus. Voilà, freiner tout, accélérer progressivement, la voiture passe habilité. C'est de bons conseils, tout simplement. On va voir donc le replay. Et on a une petite musique. Alors ça par contre la musique je suis contre. Parce que dans un jeu de rallye on n'a pas forcément envie de musique. Mais bon, en tout cas vous y allez avoir droit. Donc là c'est parti. Et on peut voir qu'ils avaient réparé un peu la voiture, mais c'était pas trop ça. Voilà, donc vous l'aurez compris, Richard Burns Rally, très très bonne simulation. Jouez-y au volant, PC, à la limite, même mieux, pour avoir le jeu en qualité maximale. Mais sur console, super intéressant, si vous aimez la simulation, c'est pour vous. Richard Burns Rally, je recommande, vous l'aurez compris. Je ne mettrai pas de notes parce que on n'a pas assez joué pour vraiment donner une note globale.
Mais il n'y a pas vraiment de défaut rédhibitoire à ce jeu. À vous de jouer. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.